Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour la ronde 4 du tournoi des candidats. Alors toujours avec ce focus théorie. Donc je prends une partie parmi les 4 et puis je m'y attarde un petit peu. Donc je vais essayer de faire un peu plus rapide que d'habitude. Et aujourd'hui j'ai choisi la partie entre Maxime Vaché-Lagrave et Alexandre Grechouk. Elle est toujours en cours. Et puis j'ai pris compte de vos notes, donc je mets pas trop le résultat. Voilà. Donc j'espère que la période de confinement surtout se passe bien pour vous tous. Donc soyons sérieux, hein, espérons que ça va vite arranger les choses. Bon, ok. Allez, on y va. Donc Maxime joue E4, c'est la troisième fois qu'il a les blancs en 4 parties, et deux fois il avait eu affaire à E5, et là encore. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Alors dans la première partie contre Caruana, Maxime, on lui avait joué une Arkhangelsk avec fou C5, j'en avais parlé. Dans la deuxième partie qu'il a gagnée contre Ding Liren, c'était une anti-Marshall avec H3, D3. Et aujourd'hui, contre Grechouk, ben c'est une berlinoise. On a à peu près la panoplie complète. Alors Maxime, il envoie petit roque. Donc lui, il envoie pas de D3. Hein, il aime pas trop. Il fait pas trop les anti-Marshall avec D3. Petit roque, cavalier prend E4. Et là, D4. C'est un joueur de principe, Maxime. Il aime bien jouer la variante principale. C'est une finale extrêmement dure à juger, où les noirs peuvent aussi jouer pour l'avantage si les blancs se débrouillent mal. Mais Maxime a une énorme expérience dessus. Et en plus, il a un petit joker, c'est son secondant Étienne Bacro, qui lui ne joue que la berlinoise en version ultra solide. Et en plus, il la joue bien cette finale de la berlinoise, Étienne. Donc il joue que ça avec les noirs, donc évidemment l'expérience d'Étienne va être très utile à Maxime pour comprendre ses positions. Et Maxime on a joué vraiment 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 beaucoup contre tous les mecs du top, donc il en rapide, en blitz, en ce qu'on veut. Et donc il a une énorme expérience et compréhension de ses positions-là. Voilà, donc bon, ça m'étonne pas qu'il rentre dans cette finale de la berlinoise. Donc Hamson, on prend, cavalier F5, prise, prise. Alors, voilà, on y est, c'est ça la finale de la berlinoise. Et là, le plan principal pour les blancs, ça va être de jouer H3, G4, mais on ne peut pas le faire comme ça, hein. Il faut vraiment le préparer et d'avancer un petit peu notre majorité, parce qu'on a un 4 contre 3 ici, vous voyez? Donc voilà, l'idée générale, ça va être ça. Donc, mais il y a des pièces devant, il y a un cavalier F3 devant. Si on joue G4 trop tôt, ben le pion il va être en l'air, vous voyez? On fait cavalier E7, H3, H5, donc, et là on se fait massacrer. Donc on peut pas le faire n'importe comment, il faut l'organiser. Donc ici, en général, la variante principale, c'est H3. Et ensuite, cavalier C3. On joue, c'est ça la manière classique de jouer cette position. Alors on peut aussi jouer cavalier C3 dans cette position, roi E8, tour D1. C'est l'autre variante. Alexandre Grechouk, lui, il a joué plusieurs fois au blanc, celle-là, à l'époque. Donc voilà, mais la grande variante, c'est vraiment cavalier C3 H3 ou H3 cavalier C3, peu importe l'ordre de coup. Donc c'est ce qui s'est passé. Ici, pareil, il y a beaucoup de façons de jouer pour les noirs, mais Grechouk a joué la variante la plus classique, la plus solide, on va dire. Il a joué roi 8, cavalier C3, H5. Alors il y a pareil, il y a encore plein de façons de jouer cette position avec les noirs, dont notamment fou 7 cavalier H4 pour échanger les cavaliers. Voilà, il y a aussi des variantes avec cavalier E7 G6 et d'autres avec H6. Bon, on va pas y revenir pour l'instant, j'écris pas un livre sur la berlinoise. On joue H5, qui est vraiment pour moi la variante la plus solide. C'est le grand maître russe Dimitri Yakovenko qui joue ça, qui a joué ça énormément. Et après Karjakin, il jouait des nages d'or, il s'est mis à jouer la berlinoise et il a joué plus que cette variante-là avec H5. Donc, et avec un très très grand succès. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui l'a battu, Karjakin. Ça a dû être Aronian l'an dernier. Mais sinon, il n'en a pas perdu une, je crois, Karjakin. Sur peut-être une centaine de parties. Donc voilà. Cette position, elle est extrêmement solide. Je l'ai analysée avec Radjabov pendant très longtemps. Et puis, chaque fois, hyper dur de trouver quelque chose. Mais. Il y a une ligne qui a été trouvée au tournoi des candidats 2018 par Kramnik, justement, qui a beaucoup d'idées dans l'ouverture. Et ça a amené un nouveau terrain de recherche. Et justement, Maxime va aller chercher Grechouk sur ce nouveau terrain de recherche. Alors, il lui joue fou F4. Je vous passe les détails. Il y a d'autres coups possibles, cavalier E2, fou G5, etc. Mais fou F4, c'est considéré comme le plus fort. Fou E7. Tour A1, fou E6, c'est le plan de développement des noirs. Là, on joue cavalier G5.
Et là, il faut pas laisser faire cavalier prend E6. Ça va aider les blancs dans leur politique d'expansion. Ici, on joue tour H6. On joue pas des H4, cavalier prend E6, prise, cavalier E4. Ça, ça va être mieux pour les blancs. Il y a des parties, hein, si vous ne croyez pas, vous avez qu'à la jouer, hein, j'ai envie de vous dire. Mais non, cette position-là, elle est, va être beaucoup plus simple à jouer du côté blanc. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On joue tour H6, c'est un peu le seul coup, parce que par contre, ici, on n'a pas du tout peur de cette structure. Alors, cette structure, l'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, on va essayer d'aller prendre de l'espace. Par exemple, regardez, si on joue tour F1, je vais faire G5. Le fou, en général, il va rester là pour aller protéger le pion. Mais d'un autre côté, il est aussi bloqué par le pion. Oui, il le protège, mais il est bloqué par ce pion-là. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je vais aller échanger mon fou contre le cavalier blanc. Et du coup, je vais lui laisser son fou pas terrible. Et je vais essayer de tout bloquer. Et ça, je pense que c'est bien pour les noirs, en général. L'autre idée, c'est que, de temps en temps, je vais pouvoir jouer avec F6, au coup d'après. Voire un tour D8, si j'estime que les deux tours blanches sont dangereuses, je peux en échanger une. Donc après, tour prend E6. Bon, ma vraie idée, ça va être ça. Ça va être G5, tour D8, tout ça. Bon. Bah, je pense que les noirs, ils ont une position très satisfaisante. Ici, la tour, on peut pas aller la chercher. Vous voyez, il suffit pas de jouer cavalier E4 et de tout bloquer. Sur cavalier E4, je vais jouer F6. Et on va être cloué ici. C'est plus difficile que prévu, hein, je vous dis. C'est... Oui, vous comprenez que G5, c'est la menace. Donc, vous dites cavalier E4, on empêche la menace. Oui, mais il y a F6 à ce moment-là. Donc, il y a toujours un petit problème concret. Donc, en général, après tour H6, les noirs n'ont pas du tout peur de la prise ici. Alors oui, on se dit, les blancs reprennent la paire de fous, du coup, après, ils ont une meilleure structure, etc. Oui, mais très concrètement, les noirs, ils ont bloqué le pion E5, ils jouent sur le blocage de celui-ci avec G5, fou B4, prend C3, ils ont une meilleure pièce après avec le cavalier F5 contre le fou H2. C'est pas si simple. Oui, ils ont pris la paire de fous, mais il y a d'autres problèmes. Donc, ici, pendant vraiment des années, la théorie, c'était G3, avec l'idée justement que si on joue H4 avec les noirs à un moment donné, ben on se fasse plus flixer, puisque les blancs auront G4. Donc G3, après G3, les noirs prennent, tour G6, et l'idée, c'est qu'après fou F4, qui a l'air archi normal, et ben il y a cavalier H4, qui menace fou prend H3. Et en fait, cette position, elle est très satisfaisante pour les noirs, parce qu'on n'arrive pas à défendre efficacement le pion H3. Si on fait roi H2, simplement échec. On fait ça, bah échec. Voilà, si on s'en va, en se disant, bon, il y a le cavalier en l'air, bah je reviens. Et je remenace fou prend H3. Il n'y a rien à faire. Tour là, bah fou prend H3, la tour, elle n'est pas défendue. Donc, voilà. G3 qui était le coup normal, prise, tour G6, fou F4, cavalier H4, comme on vient de le voir, c'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire H4 ici. Après H4, F6, pion prend, fou F4, cavalier prend H4. Et cette position, les blancs jouent F3, pour empêcher justement les cavaliers F3 échec et tout ça. Et cette position, elle est peut-être un petit peu mieux pour les blancs, mais en grande partie, ça est considéré comme égal. C'est-à-dire un peu mieux, mais pas réalisable, pas exploitable. Il y a une partie comme ça, Jiri contre Rajabov. Rajabov, il avait les noirs, et voilà, il a réussi à faire nul. Il a un peu souffert, mais il a fait nul quand même. Et je pense que cette finale, elle est pas très inquiétante pour les noirs. Mais c'était la variante principale. Jusqu'à ce que Kramnik arrive avec sa nouvelle idée en 2018. Alors, vous pouvez regarder mes vidéos. C'était à la ronde 2 du tournoi des candidats de 2018. J'ai dû faire une vidéo dessus. Et Kramnik est arrivé avec cette idée de tour E1. Alors, pourquoi tour E1? Bah, déjà, il place bien ses pièces. Et puis, de temps en temps, il aura des tours E4 en finale ou pour empêcher des thèmes tactiques. Enfin, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, après tour E1, par exemple, sur tour D8, je prends, roi prend, G4, prise, ça, tour E4. Et cette position, ça risque d'être mieux pour les blancs. C'est une des idées. Bon. Mais après tour 1, évidemment, le problème, c'est qu'il y a fou B4 et on est cloué. Donc, C3 est cloué. C'est ce qui lui a joué Karjakin à Kramnik. Et d'ailleurs, ça avait été trouvé, cette idée de tour 1, ça avait été trouvé dans une vieille partie Volokitin contre Étienne Bacro, justement, le secondant de Maxime Bachelagrave. En Bundesliga en 2013. Je me rappelle, j'avais vu la partie, j'avais trouvé l'idée intéressante. L'idée, c'est qu'après fou B4, Volokitin, il a été plus direct. Il a joué G4, prise, cavalier E7. Donc Étienne, il attaque ça. Et après F3, les noirs prennent, ils prennent en A2, cavalier E4. Et en fait, il joue avec ses trois pions contre deux. Il s'en fiche d'avoir perdu le pion A. Et il avait posé des problèmes à Bacro. Alors, il y a des solutions qui sont trouvées, évidemment, contre G4, maintenant.
mais l'idée m'avait paru intéressante. Et Kramnik, lui, il avait amélioré cette idée de Volokitin. Kramnik, il aime pas donner des pions. Donc, au lieu de trouver une position intéressante où il a le pion de moins en A2, il va trouver la même position intéressante où il donne pas le pion. Il joue A3, prise, prise. Voilà. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il a pas encore joué G4, donc il peut se faire fixer. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Maxime Vacher-Lagrand. La partie entre Karjakin et Kramnik, Karjakin avait joué cavalier E7, ici. Et après cavalier E7, je pense que le plus fort... Enfin, il a joué cavalier F3... comment il s'appelle ? Kramnik, quel bon coup. Tour H8. Et maintenant, cavalier D4. On attaque le fou, et cette fois-ci, il n'y a plus la tour pour le défendre. Ce qui est un petit peu embêtant. Et c'est aussi la partie Topalov-Rajabov de Shamkir en 2018. Et je me rappelle, Raja, il avait eu des problèmes ici. Donc après, cavalier D5, fou G5, tac... F4, vous voyez, on joue avec notre 4 contre 3. Ici, on avance les pions, c'est très dangereux. Les noirs ont gagné un pion, mais en fait, ces deux pions-là vont être très efficaces pour arrêter les 4 pions noirs. Et malgré le pion de moins, il avait eu des problèmes, Raja. Bon, il avait fait nul finalement, mais bon. Donc, cavalier E7, cavalier F3, une des idées, c'est de faire ça, d'enlever le fou et d'envoyer le pion F, par exemple. Une autre idée qui a eu lieu dans la partie Maxime Vacher-Lagrave contre Karjakin, c'était tour D8, prise, prise, G4 maintenant, prise, prise, cavalier 7. Et vous voyez, on joue toujours sur ces trois pions contre les deux-là. Donc prise, prise, fou prend H6. Ça, c'est une des autres idées des blancs. C'est un petit piège. Et cette finale avec la tour et les trois pions-là, elle va être à l'avantage des blancs. Évidemment, parce que les pions noirs, ils vont avoir vraiment du mal à se mobiliser, à créer un pion passé. Donc voilà, donc bon, le coup le plus joué, c'est peut-être tour G6 ici. Et après ça, je crois, si mes souvenirs, il y a une partie comme ça, Karjakin Nakamura. Alors peut-être c'est le meilleur coup. Est-ce qu'on prend ici et on joue fou G5 maintenant? Vous voyez, c'est toujours la même idée, hein. On va essayer maintenant d'avancer tous les pions. L'autre doit jouer H4 pour un peu nous fixer. Et là, comment on joue cette position? Est-ce qu'on joue F4 d'abord? Bon, à voir. Enfin, c'est peut-être une des lignes les plus importantes. Tour G6. Je sais qu'il y a une partie Karjakin Nakamura. Bon, ok. Il a joué H4, Grichuk, qui est le nouveau coup, mais qui est aussi le coup le plus solide, en fait. On fixe complètement le pion G. On prend un peu d'espace. Des fois, ça peut nous laisser tour H5. Bon, mais par contre, Maxime avait déjà des parties dessus contre Nakamura. Je vois 3-4 parties contre Nakamura, donc j'imagine il y a eu des blitz la plupart du temps, et une partie contre Karjakin. Donc après H4, la plupart du temps, il a joué cavalier E4, et là, ses adversaires lui jouaient tour G6, il jouait prise, prise, et après cavalier E7, son idée, c'était H4. Et la tour, elle est quand même très dominée. C'est assez désagréable à jouer. Cavalier D5, fou G5, H5. Il y avait eu cavalier prend C3, mais ça peut être un peu chaud. Vous voyez, c'est un peu ce genre d'idée qu'il a. Il prend, puis H4, H5. Vous voyez, le cavalier s'en va, H4. Bon. Et sur roi F8 ici, ça va être plus roi H2, G4. Alors peut-être G4 plutôt ici, tout de suite. Plus ça que ça va être. Bon, mais en tout cas, il avait déjà de l'expérience là-dessus. Peut-être qu'après cavalier E4, j'ai un peu regardé cette position. Le meilleur coup, c'est sans doute tour H5. Maintenant, je pense que l'idée, c'est d'aller faire cavalier C5 et comme d'habitude, d'aller chercher le fou maintenant qu'il n'y a plus la tour. Et là, il faut jouer B6, prise, prise. Et je pense que cette position, ça va quand même pour les noirs. Parce que finalement, il y a quand même des pions doublés ici. Donc ça va pas être facile... Ça va pas être facile pour les blancs de faire quoi que ce soit. On va jouer tour E4, sans doute C5. J'ai un peu regardé cette position. Bon, H2 peut-être pour jouer G4 derrière. Tour D8. Ou cavalier E7, je sais pas. Cavalier E7, C6 aussi, c'est intéressant. Tour D8, prise, prise. G4, prise, prise. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, l'idée des blancs. C'est vraiment de jouer avec ces 3 contre 2. Donc oui, on a une structure pourrie ici, mais... D'un autre côté, elle va être très efficace contre l'avancée des pions noirs à l'aile dame et contre tout ce qui va se passer à l'aile dame. Et eux, les blancs, ils espèrent vraiment maintenant maintenir la tour H6 hors jeu, enfin maintenir les deux tours coupées et surtout
pouvoir avancer la majorité de l'autre côté. Donc c'est vraiment le 4 contre 3 à l'aile roi qui va prédominer ici. Ils s'en fichent un peu de ce qui se passe à l'aile dame, les bancs. Donc, en plus, coup de bol, les modules comprennent pas trop ces positions-là, donc c'est tout bénef pour les blancs. Donc après G4, oui, après H4, en général, on joue cavalier E4, et là, c'est tour H5 ou tour G6. Bon. Il y a eu aussi G4 qui a été joué deux fois. Une fois en 2018 par Maxime, dans un blitz contre Nakamura, et une fois par Jiri contre Nakamura, je sais plus si c'était en partie longue ou pas. Voilà. Alors l'idée, c'est qu'après prise, le meilleur coup ici, c'est cavalier E7. Sur roi F8, l'idée, c'est H4, je pense. Nakamura, Jiri s'était trompé. Il a fait roi F2, cavalier E7, G4, cavalier D5, cavalier B6. Et même ça, c'est pas clair. Vous voyez, il y a ces trois pions-là. Il avait souffert un peu, Nakamura, ici. KC4, fou C3, fou D5. Bon, ça va encore, cette position-là. Quand on arrive à jouer KC4, fou D5 et qu'on bloque tout, ça va. Mais après roi F8, le truc, c'est qu'il y a H4, maintenant. Et ça, c'est pas facile. Sur tour E8, par exemple, cavalier E4, j'attaque, et je vais passer de l'autre côté. Et sur B6, maintenant, je vais commencer à prendre. Prise là, je vais ramener le roi. La tour, elle est coupée. Enfin, pour moi, c'est net avantage blanc. Ici. Donc, on revoit un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est l'idée de Kramnik, A3, fou prend A3, B prend C3, il joue H4, le coup logique, Grichuk. À mon avis, sur la partie de Maxime avec cavalier E4, il avait prévu tour H5, je pense. Là, Maxime, il refait son ancien coup, il refait G4, il fait pas cavalier E4, et après, prise, le meilleur coup, donc les blancs menacent quand même un petit peu H4, le meilleur coup, c'est cavalier E7, il l'attaque ici. Et là, Maxime avait déjà eu cette position sur l'échiquier, toujours contre Nakamura, il avait joué G4. Après G4, il y a eu cavalier D5, fou D2, et il avait joué cavalier B6. Roi G2, tour D8, roi G3, cavalier C4, prise, cavalier prend A3, puis c'était pas très clair. Mais à mon avis, après tour D8, il a pas grand-chose. Roi G2, cavalier B6, cavalier C4, prise, fou D5, comme je vous disais tout à l'heure, cavalier C4, fou D5. Je pense que là, il n'a pas grand-chose. Et là, dans cette partie contre Grichuk, aujourd'hui, il est arrivé avec une nouveauté, Maxime. Il est arrivé avec une nouveauté, il a joué H4. Alors, c'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est, on va la voir très vite, par rapport à sa partie contre Nakamura, c'est qu'après cavalier D5, pardon, il joue fou C1, il donne carrément le pion. Et je vous ai dit, l'aile dame, ça compte pas beaucoup dans cette structure-là. D'ailleurs, Kramnik, il avait donné un pion à l'aile dame contre, comment il s'appelle, Karyakin, je crois. Peut-être j'ai une bêtise, je sais plus. Volokitin avait donné le pion à deux contre Etienne, mais Kramnik, je suis moins sûr. Voilà, fou C1, l'idée, c'est la partie, cavalier prend C3, tour D3. Et en fait, ce qui compte pour Maxime, c'est tout ce qui se passe dans ce rectangle-là. Le reste, il s'en fout. Il estime que ces deux pions, ils tiennent les quatre ici, et il a raison. Et les ordis ont du mal à comprendre ces positions parce qu'ils voient l'avantage matériel, tout ça, donc ils s'enflamment un peu pour les noirs, alors que la position reste dangereuse. Alors après H4, on peut regarder, juste avant de regarder la partie, ça a été cavalier D5, la partie, tour D8, c'est l'autre coup intéressant, et là, il aurait fait tour D3, c'est sûr. L'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, si on joue tour G6, comme d'habitude, il y a H5, tour H6, G4. Et on ne peut pas prendre en G4 à chaque fois à cause de la prise et de cavalier prend F7. Et on peut pas non plus la faire dans l'autre sens, on peut pas prendre là, cavalier prend E6, c'est la différence. Oui, ça, faut le voir. Et si la tour prend, ben, on prend là et on fait ça. Voilà. Non, ça, c'est important en intermédiaire. Il voulait faire ça, voilà, c'est ça. Il voulait faire tour D3 ici, ça, c'est le coup important. Et après tour G6, je pense qu'il aurait fait un H5 G4, par exemple. On peut attendre aussi avant de jouer H5, peut-être roi F2, voilà. Bon, et après tour D3, sur cavalier D5, maintenant toujours le fou en C1, cavalier B6, un peu comme Nakamura, et maintenant je refais mon cavalier E4, j'attaque la tour, tour H5, prise, cavalier C5, l'autre va faire cavalier C4, vous voyez le fou C1 il tient très bien le pion A3, et fou G5 échec, et cavalier prend E6, et je joue cette position, et j'ai encore mon 3 contre 2. Alors on se dit qu'on va perdre le pion E5, ce qui est vrai. Mais on s'en fiche, on va reprendre le pion E6 et on va avoir ce 2 contre 1.
Alors, on n'est pas loin de faire nul ici, hein, avec des G5, des trucs comme ça. Je pense que c'est peut-être une ligne intéressante pour les noirs, celle-ci. Mais je pense qu'elle est dangereuse en pratique. En pratique, les blancs, ils peuvent peut-être faire quelque chose ici. Cavalier E4, tour H5. Surtout que, après, il n'y a pas de science exacte. Ça peut être peut-être tour prend D8 d'abord, tout ça. Mais voilà, l'idée, elle est vraiment là. Elle est qu'on a un 3 contre 2 et qu'on va faire en sorte de créer un pion passé. Bon. Donc l'autre joue cavalier D5. Fou C1. Cavalier prend C3. Tour D3. Oups, j'ai beaucoup de dessins. Et là, il fait cavalier A4, Grichuk, après une grosse réflexion. Sur cavalier D5, toute l'idée des blancs, c'est de jouer tour F1. Avec une menace tactique, c'est toujours ce cavalier prend F7, fou prend H6. Voilà, si par exemple je joue tour D8, je fais pas attention. Bon là, par contre, je vais me prendre C4, cavalier B6, tour prend D8, prise, cavalier prend F7. Et là, ça devient un 3 contre 1. Donc là, par contre, c'est mort. En plus, j'attaque H6. Mais s'il ne met pas la tour là, par exemple, s'il me fait, allez, disons cavalier B6, mon idée, ça va être de prendre là, et d'aller attaquer le pion F, qui va être difficilement défendable. Sur tour E7, par exemple, je fais ça et E6. Avec tour F8 mat qui arrive, donc ça, c'est fini. Donc voilà, c'est une des idées. Avec tour F1, ça va être de... Avec tour F1, ça va être un jour de prendre là et de jouer tour F3 et d'attaquer F7. Donc, cavalier D5, tour F1, il lui aurait fait maxi. Mais c'est de la préparation par ordi, hein. C'est les coups d'ordi, tout ça, tour F1. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, Maxime, il a des bons ordi, il a des secondes en compte, des bons ordi. Donc, ces trucs-là, ils l'ont trouvé à la maison. Cette conception de donner le pion, c'est avec H4, il a déjà joué une partie, ils ont travaillé derrière. Donc H4, c'est le premier coup de mon ordi, mais voilà, il faut comprendre les subtilités derrière. Donc les subtilités, c'est qu'on avance petit à petit, on avance nos pions. Puis voilà, donc il joue cavalier D5. Je pense qu'après... Alors je me demande s'il ne veut pas jouer cavalier E4, cavalier C5, juste après H4. Pour repasser dans les positions d'habitude où la tour défend plus le pion, le fou. Cavalier D5, fou C1, cavalier prend C3, tour D3. Donc maintenant, en attaquant là, ça lui permet de doubler en fait les tours sur la colonne F avec un gain de temps. Donc Grichuk joue cavalier A4, et là Maxime joue tour F3. Et là, il reste plus que 9 minutes à Grichuk contre 1h40 à Maxime. Et là, on pense tous qu'il va lui poser des problèmes, mais Grichuk joue comme un ordi, il trouve tous les coups. Alors là, il y a déjà un très 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 gros piège. Grichuk tombe pas dedans, joue fou D5. Alors celui qui joue tour D8 ici, il perd direct. Cavalier prend F7, fou prend H6, puis on prend H6, E6, et c'est fini. Si on joue fou G6, E7 et tour F8 échec derrière qui gagne. Et si on joue fou H5, toute la pointe c'est G4. Fou prend G4, tour F4. Et il y a le cavalier qui traîne de l'autre côté. Et grâce à ça, tour D8 est pas bon. Et tour D8, c'est quand même un coup qu'on a envie de jouer, ici. Hein. Donc Grichuk, ça, il l'a vu. Je sais pas comment il a fait avec ses 10 minutes. Évidemment, l'autre coup, après tour G6, on prend et tour F1, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si un coup comme cavalier B6, ça marche pas non plus, toujours à cause de tour F1 et E6. Donc il lui trouve le seul coup. Il comprend que cavalier prend E6, tour F1, ça devient très très difficile pour lui, donc il enlève le fou. Maxime joue tour F4, donc ça il devait connaître, il a pris un peu de temps pour se rappeler de ses analyses. Et là pareil, il n'y a qu'un seul coup, sinon tout le reste perd. Donc ici on pouvait quand même espérer qu'Alexandre Grichuk allait se tromper. Mais non. C'est-à-dire qu'après B5, en fait, toute l'idée c'est qu'on a encore ce cavalier prend F7 et tour F1, et c'est fini. Donc ici, le seul coup, c'est cavalier B6 parce que le cavalier tient la tour. Ce qui veut dire qu'à la fin, dans les mêmes variantes, quand on fera échec, machin, roi E7, eh ben, la tour sera pas en l'air en A8. Vous voyez ? Donc c'est assez brillant, surtout qu'il joue ça, il lui reste 3 minutes à Grichuk, à Maxime, il lui reste 1h30. Tour EF1 maintenant, on menace... On va commencer à menacer cavalier prend F7. Et là, il lui joue tour G6 à tempo. Il voit tout, c'est les meilleurs coups de l'ordi. Grichuk sur l'échiquier joue les meilleurs coups de l'ordi. Et là, Maxime joue tour F5. Alors, il y a d'autres coups qui sont possibles, comme par exemple... Alors, un roi H2... Bon, l'idée de ça, c'est quoi ? C'est qu'après cavalier prend F7, on prend, et là, c'est carrément les noirs qui gagnent.
Roi F2, tour G2, roi E1, fou C4, et c'est fini, les noirs gagnent. Donc on ne peut pas prendre en F7, et si on enlève par exemple le roi, pour être tranquille, ben ici, le sacrifice de qualité, il va commencer à devenir assez intéressant avec G6 derrière. Et tous les pions qu'ils ont, les noirs, je pense que le fou qui est pas terrible, je pense que ça c'est mieux pour les noirs. Donc voilà, on peut pas non plus se permettre n'importe quoi. Et il a fait tour F5 justement pour tout protéger, voilà. Bon, sur tour F2, c'est la même chose. Fou C4, tour E1, C5, ici j'ai regardé. Et après H5, tour C6. Mais c'est pas facile à voir quand on a 3 minutes, hein. G4, roi E7. Tour 8, roi F8, roi G8. J'ai analysé ça va pour les noirs. Mais bon, sur l'échiquier, il faut le trouver, C5, tour C6. Voilà. Bon, j'imagine qu'ici, il y a d'autres coups que C5 qui devraient marcher. Mais bon. Parce que le problème, c'est qu'il faut faire rejouer un peu cette tour. Et c'est pas facile. À chaque fois qu'on joue tour H6, il faut commencer à regarder le cahier pour F7. Alors, je sais pas si ça marche ici, mais en tout cas, il faut le regarder. Parce que regardez, là, on a les deux tours contre les deux pièces. Mais il y a ce 3 contre 1. Donc, si ça c'est dangereux, vous voyez. Donc je préfère jouer C5 avec les noirs. J'aime pas remettre ma tour ici. Voilà, donc tour F5, il joue Maxime, peut-être tour F2, je ne sais pas. Et là, fou C4, c'est le bon coup. Maxime joue tour E1. Alors j'imagine que sur tour F2, maintenant tour D8 qui menace tour D1, là c'est très fort. Donc il fait tour E1, il garde la première rangée. Et là, Grichuk qui a plus de temps se trompe. Il joue roi E7, qui a l'air très fort parce qu'on tient la case E6, on déblaye la 8e rangée et tout. Mais il oublie un truc tactique. Ici, il fallait faire tour D8. Et après H5, tour H6. Et là, cavalier prend F7 ne marche plus du tout. À cause de fou prend F7, fou prend H6. Ça a l'air de gagner pour les blancs, mais là, il y a fou E6. Et grâce à ce coup, rien ne marche pour les blancs. Donc j'imagine qu'avec ces 2 minutes, il n'a pas vu. Et donc il a dû voir tour D8, H5, tour H6, cavalier prend F7. Il a dû croire que c'était terminé. Mais en fait, il a raté prise, prise, fou E6. Et là, c'est les noirs qui gagnent, enfin qui sont un peu mieux. Donc comme il n'a pas vu, sur G4, évidemment, l'autre idée, c'est que maintenant, il y a tour D4. Donc, ici, il fallait jouer tour D8. Après tour D8, aucun problème pour les noirs. Je pense que les noirs ont complètement égalisé et ils ont neutralisé l'idée des blancs. Donc c'est quand même impressionnant. Il a tout trouvé, mais là il se trompe et ça aurait pu coûter très très cher aux noirs. Il y a eu roi E7. Là Maxime joue H5 et là il fallait absolument trouver fou E6 en intermédiaire. Tour F2, tour H6 maintenant. Cavalier prend F7 marche pas du tout. Échec, roi E8 c'est mieux pour les noirs. Le cavalier il a plus de cases. Et sur tour F1 maintenant, fou prend F1, fou prend et machin, et le cavalier qui protège la tour. Ça gagne pour les noirs. Donc fou E6, fallait le jouer, tour F2, tour H6 maintenant. Et sur G4, moi j'ai noté cavalier C4, tour F1, tour F8. Et le cavalier il tient tout en fait. Et donc cette position elle est bien pour les noirs. Ça, tour H8, échec, roi là. Bon là il n'y a rien. Enfin normalement. Il y a encore ce 3 contre 2, donc peut-être on peut encore espérer quelque chose, je sais pas. Mais je pense qu'il fallait jouer fou E6, en tout cas, tour F2, tour H6, voilà, cette position. Il a pas joué fou E6, Grichuk, il a joué tour H6, là Maxime a joué G4. Là il peut encore normalement jouer fou E6, il l'a pas fait, il a fait tour H8, il a voulu jouer safe. Et là, regardez pourquoi il fallait jouer fou E6. Parce que depuis tout à l'heure, je vous rabâche le coup fou E6. Parce que fou E6 permet cavalier C4. Vous allez voir la différence. Là, il y a toujours le fou en C4, donc il s'est pris A4. Grichuk. Et après A4, il n'y a plus de cavalier C4 puisqu'il y a encore le fou en C4. C'est pour ça qu'il fallait jouer fou E6 avant. Pour faire cavalier C4, tenir la case A3. Parce que maintenant, les blancs menacent fou A3 échec. Là, il lui reste 1 minute. Je vous raconte pas la panique. Parce que ça, il n'avait vraiment pas prévu. Sur fou E6 maintenant, bah la différence c'est que je prends et je joue tour F1. Et le problème c'est que dès qu'on protège, il y a fou A3. Et là c'est plus la même. Il nous manque juste cavalier C4 avec les noirs. Mais on n'a plus le temps. Et du coup, après cavalier prend A4, c'est ce qui a été joué dans la partie. Maxime ici avec 1h25.
Il est complètement gagnant. Il y a un coup gagnant. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire avec, avec les ordis et derrière, tout ça. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à son niveau, à presque 2008 et 1h30, il doit trouver le coup gagnant aussi. C'est, il faut, et même si on doit réfléchir une heure, il faut réfléchir une heure, on trouve le coup gagnant. Il a joué un petit peu léger. Il a joué fou à 3 échecs. C5, E6, F6. Alors évidemment, cavalier F7 qui a l'air dangereux, c'est rien. On joue tour HC8 et les noirs n'ont pas le moindre problème. Et si on essaye de faire ça pour amener la tour en D7, ben le problème c'est qu'on laisse le pion à chaque fois. Donc, et je pense qu'il a dû, il a dû regarder des trucs comme ça. Est-ce qu'il pouvait pas prendre en C5 ici? Mais en fait, non. Roi 8 et les noirs gagnent, simplement. Ça a l'air assez impressionnant ce qu'on voit tout ça, ce qu'on voit là, mais les noirs gagnent. B6, A5. Y a rien, y a pas d'attaque. Donc il a joué fou à 3 échecs dans la partie de manière un petit peu trop légère, je trouve. Et après C5, E6, F6, ben il a plus rien. Il a joué quoi dans la partie? Il a pris en C5, prise. Et là Grichuk a pris en G5. Il aurait même pu jouer tour HC8. Et après tour prend C4, ça, et il n'y a plus rien. Et après F prend G5, il a pris en C7, roi D6, tour prend C4, là je sais plus ce qu'ils ont joué. Il a joué A5, qui est un très bon coup, et en fait, il n'y a rien. Après échec, roi C6, cette finale, elle est à peu près égale. Et donc, mais il a raté un coup gagnant, regardez. Quand l'autre joue roi E7, H5, ça c'est un bon coup, G4, c'est un bon coup, et là, il fallait jouer. Et là, il a joué A4, ok, et après prise, c'est pas x3 qu'il fallait jouer. x3, c'est une bêtise. Il fallait jouer tour E4. Tous les modules le donnent, c'est complètement gagnant pour les blancs, en fait. L'idée, c'est quoi? C'est que le fou, il peut pas s'extraire comme il veut parce qu'il y a le cavalier derrière. Si on joue un coup comme cavalier B6, on se prend fou à 3 échecs, roi E8, et là, le coup qui gagne, c'est cavalier prend F7. C'est peut-être ça qu'il a raté. Fou prend F7, E6, alors on peut pas aller en G8 parce qu'il y a mat en un coup, avec le fou à 3 qui protège, et sur fou prend, pardon, et sur fou prend H5, le coup qui gagne, ça va être ça. Mais il y a aussi G prend H5, j'ai envie de vous dire, ça change pas grand-chose. Donc, après cavalier prend F7, c'est terminé. Donc déjà, il n'y a pas de cavalier B6. Sur un coup comme B5, qui l'a peut-être un petit peu embêté, en fait, il y a tour prend C4, puis on prend fou A3, C5, tour prend F7, roi E8, tour prend C7, et cette position, elle gagne aussi. Cavalier E6 qui arrive, ou cavalier F7, voilà. Donc tour prend C4, B prend C4, tour prend F7, c'est terminé. Ou fou A3 d'abord, bon, peu importe quoi. Ça, c'est peut-être encore plus fort. Donc, tour A4, il n'y a pas de B5 à cause de tour prend C4. Il n'y a pas de cavalier B6 à cause de fou A3. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut pas. On n'a pas envie de jouer fou B5 ici, à tour prend F7. Donc, ni cavalier B6, ni B5 ne marche. Il y a quand même un problème. Si on joue fou E6 ici, ben, je prends une fois, on prend là. Fou G5 échec. Roi E8. Mais là, le truc, c'est que le cavalier, il est encore en l'air. Donc, on joue tour F3, l'autre va jouer ça, on joue tour F4, et cette position, elle gagne. Là, la tour qui rentre. Voilà, tour E4, c'était terminé. Bon, il n'a pas vu, et puis là, je viens de voir le résultat, ils ont fait nul. Bon, bah là, il va se mordre les doigts. Surtout qu'il a 1h30 dans cette position. Il y a 1h30, l'autre, il lui reste une minute. Rater tour E4, ça lui fait plus 2, et tout seul en tête. C'est quand même embêtant. Surtout qu'il l'avait, cette position. C'est pas comme s'il fallait qu'il voit un truc. Non, il l'avait. Donc, c'est dommage pour lui. Dommage pour lui, parce que c'était vraiment un moment important pour faire le break. Voilà. Mais en tout cas, cette préparation, elle était assez dangereuse. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de science exacte, c'est vraiment ce 3 contre 2 qui prédomine. Et j'ai toujours senti depuis cette partie de Kramnik-Karjakin qu'il y avait un potentiel pour les blancs dans cette finale. Et c'était pas la finale dry, sèche, complètement, là où c'est nul tout de suite. Ça gigote, quoi. Alors après, que ce soit les H4, les rois F2, les G4, bon, après, c'est de la prépa, hein, mais bon. Mais voilà, donc cette finale qui semble un petit peu terne. Est beaucoup plus compliqué que ça. Vous voyez, il suffit pas de faire un fou D5 et il n'y a plus rien. Non, parce que on va avancer petit à petit, etc. Voilà.
Donc il était vraiment à deux chevaux aujourd'hui. Bon bah j'espère que ça va marcher pour lui demain ou après-demain, qu'il va, il va nous faire un point encore en plus, mais bon, ok. Bon, en tout cas, je vous dis à demain. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Voilà. Et puis, donc j'espère qu'on aura une belle ronde demain aussi. Voilà, au revoir.